Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être réunis encore une fois dans la maison de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est le premier dimanche du mois d'octobre. Année a presque fini sous nous, n'est pas vrai? Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Jusqu'ici, dans sa bonté, il nous a secourus. Est-ce que quelqu'un peut dire « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru » ? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire avec conviction « Jusqu'ici » ? On le dit ensemble « L'Éternel m'a secouru » Une dernière fois « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru » Et nous le remercions de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme pour sa bonté, sa miséricorde envers nous. Nous savons qu'il traversera l'année 2021 et qu'il nous permettra de voir l'année 2022 en sa présence. Alors je vous salue, vous mes bien-aimés, qui avez bravé les circonstances, qui vous vous êtes déplacés pour l'adorer ici au 500 Fleury West. Et je salue aussi mes bien-aimés qui nous écoutent, soit sur YouTube ou sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous remplisse de sa grâce, qu'il vous permette, qu'il nous permette de faire des réserves pour passer une excellente semaine, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus. Dieu fidèle, je te dis merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître et de te servir, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir mis à part. Merci de renouveler nos forces. Merci de nous permettre de courir sans être fatigués. Merci parce que même lorsque notre corps fatigué nous lâche, Papa, tu renouvelles nos forces au niveau mental et tu nous permets de continuer d'avancer. La semaine n'a pas été facile pour tout le monde. Il y en a qui ont eu des épreuves, il y en a eu qui ont eu des problèmes de santé.
Il y en a qui ont eu des malentendus ou bien des conflits, mais par ta grâce, Seigneur, nous sommes ici le dimanche 3 et nous pouvons dire avec hardiesse, avec assurance que jusqu'ici, tu nous as secourus. Ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'offrir le plus beau bouquet de fleurs possible, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que nous savons que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, c'est uniquement par ta grâce. Père, nous voulons t'offrir un bouquet de fleurs qui te sera agréable. Nous voulons joindre nos voix à celles des anges, à celles des chérubins, à celles des séraphins pour proclamer ta grandeur, ta bonté, ta fidélité. Nous ne voulons pas être distraits pendant le temps d'adoration, Père, mais nous voulons t'offrir quelque chose qui te fera plaisir. Nous voulons t'offrir un sacrifice de bonne odeur car c'est ce que tu mérites. Reçois favorablement, Père, les louanges et l'adoration qui proviendra de nos lèvres. Et aide-nous, Père, à t'adorer en esprit et en vérité, pas seulement le dimanche, mais aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, tout n'est en dimanche, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher dans ta gloire bénie. Père, encore une fois, merci pour ce privilège. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette grande bénédiction que tu nous accordes. Permets-nous de te donner, aide-nous à te donner le meilleur de nous-mêmes ce matin. Aide-nous aussi à être réceptifs à ce que tu voudras nous donner, à ce que tu voudras nous partager, afin que nous puissions non seulement t'adorer, mais aussi nous ressourcer, afin de pouvoir témoigner de ta grandeur, de ta bonté, de ta fidélité pendant toute la semaine, et ce, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dernièrement pesé sous moi, mes bien-aimés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une dernière fois, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais lire pour vous le psaume 29. Amen. Psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Donc ce matin, c'est l'Éternel que nous allons adorer. Ce matin, c'est l'Éternel que nous allons prier. Ce matin, c'est l'Éternel que nous allons chanter. Ce matin, c'est l'Éternel que nous allons adorer. Ce matin, c'est l'Éternel que nous allons acclamer. Es-tu disposé à élever le nom de l'Éternel? Es-tu disposé à l'adorer? Merci Seigneur. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi
te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. L'éternel, tu es mon désir éternel, de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh, mon âme, est-ce que tu soupires après ton Dieu ce matin? Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Thank you.
de toute situation. Thank you.
Dieu merveilleux. Nous sommes venus t'adorer en esprit, en vérité, car toi seul es Dieu au-dessus de la terre et tu établis ton trône dans les cieux. Père, nous te donnons la gloire que toi seul mérites. Nous te donnons la gloire qui te revient. Et nous sommes honorés et privilégiés d'être en ta sainte présence ce matin. C'est pas en rien nous fait pour ça. C'est garder, nous wène comme ça. Si tu devais nous traiter selon nos péchés, si tu devais nous traiter selon nos iniquités, si tu devais nous traiter selon nos transgressions, pas grand monde qui t'a capable. Campé là, dans mi-temps assemblée, mais dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous accordes le privilège de rentrer dans ta maison. Tu nous accordes le privilège d'ouvrir la bouche pour t'élever. Tu nous accordes le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Tu nous accordes le privilège de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Tu nous accordes le privilège de savoir que tu nous as réservé une place là-haut dans les cieux. Père, quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Nous savons que nous ne sommes que de passage ici. Ça veut dire que même lorsque nous voyons des situations problématiques, même si nous ne comprenons pas jusqu'où la COVID va aller, même si parfois il y a le chômage, même si des fois il y a la maladie, au fond de nous, nous avons cette joie, cette paix, cette espérance qu'un jour, au son de la trompette, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller à ta rencontre. Père, ce matin, nous ne voulons pas penser à nos problèmes, nous ne voulons pas penser aux situations difficiles, mais nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'offrir le plus beau bouquet de fleurs possible pendant quelques instants. Le temps qui sera passé ici, Père, nous voulons te le donner et être pleinement concentrés sur ta personne. Nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit. Nous ne voulons pas être distraits par les habits que la personne à notre gauche ou à notre droite porte. Nous ne voulons pas être distraits par les conversations que certaines personnes pourraient avoir. Mais nous voulons avoir des yeux fixés sur toi, des yeux fixés sur ta gloire, des yeux fixés sur ta bonté, des yeux fixés sur ta fidélité, des yeux fixés sur ta miséricorde. Père, si ce n'était de toi, qui côté ne t'a pillé aujourd'hui? Si ce n'était de toi, à l'instar du psalmiste, nous pourrions dire que notre âme aurait été depuis bien longtemps dans la demeure du silence. Mais gloire soit rendue à toi, toi qui essuies nos larmes, toi qui nous fortifie, toi qui renouvelle nos forces, toi qui nous relève quand nous sommes par terre, toi qui nous permet de marcher la tête haute, toi qui nous donne l'espoir quand le monde nous dit qu'il y a désespoir, toi qui ouvre quand le monde ferme, toi qui restaure quand le monde détruit. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons tenter d'exprimer la joie qui nous inonde lorsque nous pensons à ce que tu es. Toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu qui déplace les montagnes, toi qui es le Dieu qui guérit encore, toi qui es le Dieu qui restaure encore, toi qui es le Dieu qui agit en notre faveur, toi qui es le Dieu qui nous relève lorsque nous sommes abattus, toi qui es le Dieu qui nous console quand les murs semblent tourner tout autour, tomber tout autour de nous. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Nous voulons te dire que tu es digne d'être élevé. Nous voulons tenter d'imiter les anges et les chérubins et les séraphins, papa, qui t'entourent, qui sont autour de ton trône et qui ne font que t'élever. Nous voulons pratiquer, alléluia, maintenant, ce que nous ferons dans l'éternité bienheureuse lorsque tu viendras nous chercher. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit magnifié au travers de nos vies, au travers de nos voix, au travers de nos actions, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher dans ta gloire bénie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Jésus, la marche est notre.
Oh,
ton Dieu ce matin. Côté, toutes les distractions et connecte-toi avec ton Dieu ce matin. Alléluia. Par contre, situation traversée. Mais longez-moi au matin. Pas quitter grâce la passée. Amen. Touché. Par contre, ça va traverser, mais ramasser force ou chanter matin. Oh, si, ma plongée même, ma plongée même. Ne
regarde pas à ta situation, mais regarde au Seigneur qui est présent, agissant parmi nous, touchant parmi nous, guérissant parmi nous. Et alléluia. Encore juste l'assemblée. Je ne sais pas c'est pour qui, mais ramassez force. J'aimerais que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous. Tout en chantant, musicien compris. Ma langue m'a plongé, bien. Tout le monde a besoin de toucher du Seigneur ce matin. Longe m'a touché le Seigneur matin. Le Seigneur est présent ce matin. Longe m'a touché, bon Dieu. Oh oui, longe m'a touché, bon Dieu, matin. Nous approcher de ton trône. Seigneur, nous voici devant toi, Père.
pour te remettre tout ce que nous sommes, papa. Papa, nous remettre aux familles, nous remettre aux petites, nous remettre au travail, nous remettre au corps, nous, Seigneur, notre âme, notre corps, notre esprit, nous la guérons, Dieu puissant. Papa, nous te remettons tout ce que nous sommes, papa. Mais nous longeons, mais nous parlons, Matéen, Seigneur Jésus. Nous besoin, Seigneur Jésus, Matéen. Ton peuple et ton assemblée, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes, nous avons tous besoin de toi, Père. Papa, mais nous longeons, mais nous parlons, Dieu puissant. Parce que nous besoin toucher spécialement, mon Matéen, si là, papa. Ou qu'on crie chaque nous qui l'a, Seigneur Jésus. Ou qu'on situation nous, chaque Père. Tu sais ce que nous pouvons endurer. Tu sais ce que nous vivons jour après jour. Mais ce que nous savons aussi, Seigneur, c'est que tu es présent. Et c'est pour ça ce matin, Père éternel, que nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça ce matin, oh Dieu, trois fois, Seigneur, que nous sommes venus t'exalter, toi le seul vrai Dieu. Mais nous, Seigneur, qu'à plonger mes nous, Père, oh Dieu puissant. Qu'à plonger mes nous, Seigneur, pour que nous aurions touché spécial, Père. Papa, nous voici devant toi, Seigneur, nous te demandons un toucher spécial, papa. Un toucher spécial pour tout ce que nous sommes, pour notre être tout entier, pour notre corps, pour notre âme, notre esprit, Dieu puissant. Nous te demandons un toucher spécial, un toucher miraculeux, Père. Je te demande un toucher miraculeux, Seigneur, pour chaque individu, pour chaque homme et femme, avec une histoire, un background différent, Seigneur Jésus. En cet instant, je te demande un toucher. Un toucher, un toucher, un toucher, un toucher spécial, papa. Pour chaque individu, pour chaque personne, pour chaque frère, pour chaque soeur ici, Seigneur Jésus, qui soupire après toi, papa. Nous soupirons après toi, Seigneur Jésus. Ton peuple soupire après toi, Père. Que ce soit dans leur étude, dans leurs finances, dans leur mariage, dans leur famille, dans leurs finances, Seigneur Jésus, nous soupirons tous après toi, Père. Nous soupirons après un toucher spécial de ta part. Nous soupirons après un toucher miraculeux de ta part, Dieu trois fois saint. Papa, pas quitter-nous. Ne nous délaisse pas, Père. Nous voici devant toi, Père. Avec nos fautes, nos transgressions. Sachant que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Père. Mais nous savons, Père, que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Tu éloignes de nous nos iniquités, Père. Et c'est ça qui fait nous capables d'approcher de notre trône au matin, Seigneur Jésus. Longez-nous sous nous-mêmes, papa. Pendant que nous avons longé de nous vers toi, Dieu, trois fois. Un toucher spécial pour ton assemblée. Père éternel, un toucher spécial. Un toucher spécial. Un toucher spécial pour chaque personne ici présente, Dieu, trois fois. Et pour ceux qui sont connectés à travers les lignes, la radio, à travers les applications, Dieu, puissant. Papa, nous demandons, ils ont touché spécial. Ils ont touché qui ont même soeur, papa, Dieu, puissant. Ils ont grâce qui ont même soeur, papa, Dieu, puissant. Demandons ça avec cœur sincère, sachant que tu le feras au-delà, au-delà. Tu feras pour nous au-delà de ce que nous pourrions penser, imaginer ou espérer. Merci beaucoup, Dieu. Merci, Seigneur. On va rester dans ce même esprit. Il y a quelque chose qui doit se passer ce matin. L'Éternel veut parler ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu ce matin? Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu ce matin? Peuple de Dieu, est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu ce matin? Il est là ce matin. Je vais demander au peuple de Dieu, ne vous fatiguez pas. Mettez-vous debout. Le Seigneur veut parler ce matin. Mettez-vous debout, le Seigneur veut parler ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais concentrez-vous sur la présence de Dieu. Concentrez-vous sur la présence de Dieu. Concentrez-vous sur la présence de Dieu. Le Seigneur veut parler ce matin. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta Esprit,
Focus, focus, focus. Concentrez-vous, concentrez-vous. Il est là ce matin. Comme la sœur Jessica l'a mentionné, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a besoin d'une délivrance ou qui a besoin d'une touche spéciale. Mais le Seigneur est là ce matin pour toi. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous comptons nous la matin? Amen. Est-ce que nous comptons nous la matin? Amen. Est-ce que nous comptons nous là dans la présence, bon Dieu, matin? Femme, tendez-nous. Est-ce que nous comptons nous la matin dans la présence, bon Dieu? Est-ce que nous comptons nous la matin dans la présence de Dieu? Amen. Alors, nous voulons prendre le temps de souhaiter la bienvenue à quelconque visiteur qui serait ici dans cette enceinte à l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, ne soyez pas gênés. Alors s'il y a des visiteurs dans la salle, on va vous demander de vous lever, ne soyez pas gênés. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ et nous sommes là pour vous accueillir à bras ouverts. Nous avons un visiteur ici. Alors, soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur et l'Église, nous l'accueillons. Bienvenue parmi nous. Alors, comme vous le savez, nous sommes présentement à une autre phase parce que nous allons récolter les offrandes de l'Assemblée. Vous savez que vous pouvez le faire de deux manières, c'est-à-dire soit en ligne, tout simplement. Vous allez voir au bas de l'écran si vous êtes présentement connecté sur Facebook, YouTube, ou GoToMeeting, vous allez voir au bas de l'écran l'adresse courriel qui sera indiquée secrétariat à commercial edp.edpmno.org. Et puis, vous pouvez faire votre don ou tout simplement, les paniers vont passer dans les rangées. Ou la troisième option, c'est que vous allez à ma gauche où est-ce que le frère Edris est pour utiliser la machine Interact. Amen. Amen. Et lorsque vous avez terminé, je vais demander aux soldats de Dieu de se lever pour chanter avec nous le 212, si je ne m'abuse. Français, c'est ça? Ah, yes, all right. Debout, Sainte Cohorte. Amen? Amen? Amen. All right. Sa ta
ce jour que tu as créé, nous désirons qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir participer au repas de la Sainte Cène. Nous voulons le faire en mémoire de toi. Nous voulons le faire en attendant ton retour. Nous ne voulons pas prendre ce repas à la légère. Nous ne voulons pas le faire par routine parce que nous habitués faire chaque premier dimanche. Nous ne voulons pas le faire avec un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de méchanceté, un cœur rempli de conflits et de malentendus. Car nous savons que c'est un acte sacré que nous posons en attendant de te voir face à face. Père, permets-nous de le faire en toute sincérité. Et si jamais dans la salle, il y aurait quelqu'un qui a pris les espèces, qui sent qu'il n'est pas disposé, plutôt que de le faire par hypocrisie, plutôt que de le faire pour la forme, soit tu fais un travail de restauration rapide, ou bien en toute sincérité, que la personne dépose les espèces. Parce que nous ne voulons pas agir comme des insensés, mais nous voulons agir comme des chrétiens animés d'un esprit de discernement. Ton sang a coulé pour nous et ton corps a été brisé sur la croix afin de nous accorder accès à ton Père. Et c'est ce que nous commémorons chaque fois que nous participons à ce repas sacré. Alors Père, nous te présentons ces espèces et nous te remercions encore pour ce grand sacrifice, pour cet acte que tu as posé. Que ce que nous faisons maintenant démontre que nous avons compris ce grand acte. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je lis pour vous 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je vous invite, pendant que vous êtes en possession de ces espèces, à réfléchir sur la symbolique de la Sainte Cène. Est-ce que vous vous sentez, comme dit le texte de référence qui vient d'être lu, en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et avec vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à faire cette communion, à entrer dans cette communion? Parce que certains arrive même à manger indignement le corps de Christ. Je vous invite à réfléchir sur ce moment que nous allons passer dans la communion avec Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. » Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel.
Alléluia. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Oui, reçois, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. À mon sang toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. À la rébellion, moi adoré. Jésus, c'est tout ça. Même bien, grand créateur. Alléluia. À la vraie mère,
Bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Nous allons prendre le temps de nous adresser à ton peuple. Nous te demandons de nous donner les moyens de l'édification. Car nous reconnaissons en tout temps, Père Saint, l'exercice de la prédication n'est édifiant que dans la mesure où le Saint-Esprit fait son travail. Et c'est pour cela qu'en ce moment, Père Saint, nous te demandons de disposer ton peuple et encore de nous disposer davantage pour que, Père Saint, ta parole puisse atterrir dans ce milieu et puisse faire, Père Saint, ce que la chair et le sang ne peuvent pas faire. Interviens ici, en ce moment. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Est-ce que vous bénissez le nom du Seigneur ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Je sens l'Esprit de Dieu dans la salle. Je sens l'onction de Dieu dans la salle. Disons alléluia. Alléluia. Combien de personnes ont été bénies avec la fin de semaine de famille qui a été organisée à l'église? Combien de monde qui étaient bénis, matière? Est-ce que nous baillons Dieu gloire, matière? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ces bien-aimés qui ont pris le temps de mettre en œuvre cette activité. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu continue de bénir nous. Et j'aimerais vous dire d'ores et déjà qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Parce que je disais quelque chose, j'ai l'habitude de dire dans mes messages, l'église n'est pas là seulement pour amener les gens au ciel. D'ailleurs, l'église n'amène personne au ciel. L'église est là pour apprendre aux gens comment vivre sur terre, en attendant que nous allions au ciel. Si l'objectif de Dieu, lorsque nous sommes sauvés, c'était que nous allions au ciel, écoutez-moi bien, au moment même où nous sommes sauvés, il nous aurait tués et puis le ciel était devant nous tout droit. N'est-ce pas? Dieu veut que tu ailles au ciel, que j'aille au ciel. Mais en attendant que nous allions au ciel, Dieu veut que nous gérions des choses sur terre. Est-ce que vous êtes là, hein? Parce qu'en attendant d'aller au ciel, il y a des responsabilités que tu dois prendre sur terre. Et c'est pour cela que, je vous dis, une église qui ne comprend pas ses fondements ne fait qu'aliéner les gens. Parce que quand tu sors de l'église, tu as une responsabilité. Et j'insiste sur cela pour que nous ayons ce que j'appellerais un évangile équilibré. Parce qu'il y a une conception déséquilibrée de l'évangile qui peut nous déranger. Donc la semaine prochaine, j'en profite pour vous dire de la continuité de ce qui s'est passé avec la fin de semaine de la famille. Nous allons demander qu'il y ait une rencontre avec tous les couples de l'église pour réfléchir sur le montage de quelque chose d'autre par rapport au département de l'éducation chrétienne. Vous êtes là, hein? Nous parlons l'autre bagaille. Comme je vous dis, les églises haïtiennes sont généralement insensibles à leur environnement. Mais nous devons faire preuve de sensibilité. Si quelque chose nous donne des problèmes, il faut que nous adressions ce problème. J'aimerais aussi vous dire que je réfléchis beaucoup, l'équipe ministérielle réfléchit aussi. J'aimerais pouvoir amener à l'église un entrepreneur réussi qui pourrait exposer auprès de vous dans une conférence comme dimanche matin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment le faire arriver là? Pour que nous ayons des pratiques. Nous avons des générations qui font des erreurs dans la vie. Donc, je crois que l'église va se responsabiliser et responsabiliser d'autres personnes. Parce que des bagages, ce n'est pas la prière seulement qu'à Baouli. Il y a aussi la réflexion, il y a l'organisation, tout ça. Donc, nous aimerions, comment je vous dis, prier Dieu pour que les messages soient diversifiés, pour que nous n'ayons pas seulement des messages qui vous emmènent dans votre spiritualité par rapport au ciel, mais qu'il y ait des messages aussi qui vous aident à vivre sur terre.
Et j'aimerais prendre avec vous deux textes. Le premier texte, c'est Proverbes 5, versets 15 à 20. Le deuxième texte, c'est Genèse 24, versets 2 à 6. Proverbes 5, versets 15 à 20. Je lis pour vous. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une femme inconnue? Genèse 24, versets 2 à 6. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Nous allons aborder un autre aspect du plan de Dieu pour la famille, mais cet aspect va concerner les choix, comment critérier les choix. J'aimerais vous dire, mener une vie avec quelqu'un, je pense que c'est la cinquième intervention que nous avons sur la famille. Le choix de vivre avec quelqu'un, c'est peut-être après avoir accepté Jésus-Christ, l'un des plus grands choix qui soit. Parce que ton bien-être va fortement dépendre de qui t'accompagne. Et j'aimerais vous dire qu'une déception dans une relation conjugale peut coûter même la vie. Et j'ai vu des gens qui ont tout, mais qui, s'ils pouvaient vendre tout ce qu'ils ont pour acheter un petit brin d'amour, ils le feraient. Autant dire que le choix de quelqu'un va peser sur toute son existence. Il n'y a rien de plus grave, chers amis, que quelqu'un qui a vécu une déception. Si cette personne n'avait jamais connu l'expérience de ce qu'on appelle les migraines, eh bien, vous mettez Prentilénol. On qui connaît peut-être fait mal au moi maintenant. Tu peux prendre ton Tylenol, tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais le choix que tu as fait va structurer ta vie. Et si certaines personnes n'avaient pas une grâce supérieure, je dis bien supérieure, eh bien, leur mariage les aurait détournés de l'évangile. Et c'est pour cela, chers amis, que certains problèmes se règlent en amont. Parce que j'ai vu avec le temps des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu qui ont regretté certains choix. Et au moment du regret, qui se souviennent avoir eu des signes avant-coureurs qui montrent que ce n'était pas la bonne personne. Et d'ailleurs, nous allons voir en analysant certains textes, souvent la personne pour qui ton univers tremble, qui te fait frémir, n'est pas la personne qui peut vivre avec toi. Et nous allons voir aussi, si le temps ne nous fait pas défaut, que lorsque nous choisissons, nous ne le faisons pas seulement pour le présent, mais nous le faisons pour l'avenir.
Et tout choix qui ne vise pas le long terme est un choix malheureux. Certaines personnes n'ont pas fait le mauvais choix, mais la personne a changé. Ça, c'est une chose. Cependant, qu'en est-il lorsqu'au départ, je faisais un couple prénuptial et puis le couple était devant moi. Nous étions en train de parler. Et puis, bon, si les gens sont devant moi, moi-même, moi, j'étais, ouais, ils ont échoué. Le mariage n'est pas encore fait, je vois l'échec. Et lorsqu'ils se marieront, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes là, hein? Parce que si au moment des fiançailles où la personne est supposée faire preuve d'amour, de compassion, m'bakoune baïti fleur, ti surette, ti bonbon, c'est en ce moment que la personne est en train de te montrer qu'elle a l'intention de te détruire. Qu'en a-t-il s'il marie à elle? Malheureusement, chers amis, ou peut-être heureusement, c'est à vous d'en juger, mon discours ira contre courant de certaines traditions qui veulent que pour y avoir une pression pour le marier. J'étais en face du couple et puis quand, puisque je voyais les problèmes, c'était manifeste. Et puis on devait avoir 6 modules, on prend 7e, 8e, 9e, 10e pour moi si nous décadions de ne pas marier. Parce que si c'est moi qui dis pas marié, si y a pas une personne, il va dire moi qu'est-ce que ça passe? Je ne vais pas capoter gauche à ça. Souvent, nous sommes bergers, mais moi, ma politique, je ne fais pas d'étrusion. Il y a une dimension que je ne rentre pas dans ta vie si tu ne m'invites pas. Je ne suis pas un gourou. Si toi, tu me demandes qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que je pense, j'aurai la latitude de vous parler, comment dirais-je, avec tout mon cœur. Mais je te montrerai néanmoins que, parce qu'il y a des problèmes, moi, je vais tout faire module pour la semaine prochaine. On va en discuter. Parce que je vois l'affaire. Et puis, à un moment donné, les gens du couple sont venus me dire, pasteur, nous ne pouvons pas nous marier. Je dis, oh, gloire à Dieu. Mais la deuxième chose qui m'a été dite, bon, je vais me passer pour ne pas faire mariage. Là. Parce que nos parents sont prêts. Là, ça devient plus compliqué. Comment critérier nos choix? C'est quoi les critères? Abraham devait choisir pour son fils. Aujourd'hui, je poserai la question aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous trouverez ça fun que vos parents choisissent pour vous? Les jeunes qui ne croient pas, moi, amen. Amen. Ça, ce n'est pas un amen de jeunes. C'est un amen d'hommes, de parents qui veulent choisir. C'est une tentation qui est toujours là. À un moment donné, le parent qui aime son enfant, il y a des visages qui wardent autour de son enfant ou bien autour du parent que le parent aurait naturellement souhaité voir venir chez lui. Amen, parent. Je vous dis la réalité. Sauf moi comme parent. Alléluia. Pas bien petit toujours. Merci Seigneur. À un moment donné, il y a cette convergence-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une adéquation entre les valeurs. Les valeurs se ressemblent. Mais le texte nous parle d'une époque où on aimait sans voir. Combien de personnes sont capables d'aimer sans voir? C'était une époque où les jeunes n'échouaient pas pour autant leur mariage.
choisissait. Et l'enfant répondait à la volonté du Père. C'était ça la signification de l'amour. Mais le mariage sans voix voulait dire quoi? Pasteur, est-ce qu'on dit Mbumba ou Mouna et puis peut-être Mbat? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Moi-même, Mbat a fait ça. Vous êtes là, hein? Moi, j'ai vu ma femme. Quand je l'ai vue la première fois, j'étais l'église en membre comité exécutif. Je me dis, oh, quand on belle Simone, qui a fait battre jamais l'église? Et à ce moment, mon plan commence à être échafaudé. Je suis arrivé ici, je me mettais mon veille. Parce que dans ma tête, ça ne sortait pas. Voyez-vous? Bon, on va retourner sur ça une autre fois. Pour tout le monde qui tripote, il faut se calmer. Une autre fois. Mais remarquez bien, chers amis, Abraham va demander à son serviteur de choisir. Et Abraham s'est impliqué dans le choix. Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas ce droit de nous impliquer outre mesure. Mais il y a des choses qui viennent dans la caille. Depuis qu'elles viennent ou échouent. Vous savez ce que je veux dire? Il y a des choses qui rentrent dans la maison. Tu as échoué. Parce que tes valeurs ne sont pas comprises. Et c'est pour cela, chers amis, nous avons la responsabilité pour ceux qui doivent choisir de leur dire, nous autres, comment nous avons choisi et même de leur parler de nos propres erreurs. Parce que les erreurs sont possibles. Il vaut mieux que la personne évolue dans la solitude que d'être mal accompagné. Et cela n'est pas compris. Et si ça, c'est pas compris, chers amis, m'a dit nous cafons pile erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et moi, je connais tellement ce principe, et je vais vous le dire, qu'il n'en déplaise à personne. Moi, ce n'est pas parce que quelqu'un est enceinte que je vais marier la personne. Jamais. Où t'as pris? Non. Non. La personne a fait une erreur, mais le fardeau du mariage n'est pas automatiquement imposable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi comme pasteur qui peut le relayer. Non, les gens ne peuvent pas le relayer. Moi, je m'abdomme la caméra, madame, je ne suis pas à côté. Mais pourquoi lui poser un fardeau comme ça? Il faut que les gens s'aiment. Et si quelqu'un ne t'aime pas, ne t'aventure pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, même avec une erreur, ne t'aventure pas plus loin. Parce que mariage, tout est monde. Remarquez bien où est-ce que je veux venir. Abraham va demander à son serviteur de choisir. Un serviteur auquel il fait confiance. Mais il va dire à son serviteur, le Dieu du ciel, je te fais jurer, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite. C'est une erreur de croire que c'est toujours dans ton milieu que tu trouves la meilleure personne. Des fois, ça prend un déplacement. Je vis là comme je suis Abraham, je vis là. Mais j'ai remarqué les valeurs de ces jeunes filles. Les comportements de ces jeunes filles. Les attitudes de ces jeunes filles. Je ne veux pas que mon fils y aille. Mais va dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Tu vas chercher quelqu'un dans ma patrie. Mais dans ma patrie ici, ça va me dire pour l'Haïti, non? Mais choisis quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent aux miennes. Parce que le principe de la Genèse, c'était quoi? Chair de ma chair, os de mes os, mais qui veut dire, c'était l'équivalent de ce que disait, je vais lui faire un être semblable. Lorsque quelqu'un n'a aucune valeur qui se rencontre avec les tiennes, pourquoi expérimenter le mariage? Certaines personnes, le mariage, c'est un dégât
Parce que nous avons tendance à croire que l'amour peut changer quelqu'un. Surtout lorsque nos cœurs battent la chamade, vous voyez la personne et puis ton cœur ne peut pas rester. Et puis tu te dis, oh, c'est cette personne, c'est mon ange. Quoi que tu connais? Il ne suffit pas que le cœur batte, mais il faut se renseigner aussi sur les valeurs de la personne. C'est quoi tes valeurs? Comment tu vois la vie? Qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble? Car si tu ne peux rien construire avec une personne, pourquoi vivre avec la personne? Et je vais vous dire quelque chose. Même si ton cœur est en train de battre, bois un peu d'eau pour arrêter le rythme de ton cœur. Bois de l'eau. J'ai dit de l'eau. Elles ont fumé dans la salle. Qu'est-ce qu'on boit pour arrêter le rythme du cœur? De l'eau? De l'eau sucrée. Yo, banoué maintenant. Parce que lorsque tu auras à regretter, tu seras seul dans ton regret. Donc nous voulons des valeurs qui convergent. Cela ne veut pas dire que lorsque tu cherches quelqu'un, que tu dois chercher un autre toi-même. Il y a des gens qui ont des critères tellement élevés que laissez maman et papa et chercher. Faites attention. Il y a des critères qui ne sont pas réalistes. Le projet du mariage, c'est de ne pas faire l'autre, de l'autre quelqu'un comme toi-même. Je n'ai pas besoin de l'autre moi-même. Car souvent, le mariage devient un lieu de violence. Parce qu'au nom de l'amour, nous voulons transformer l'autre comme nous. Non. Tu dois prendre l'autre avec sa différence. Car l'homme sera toujours l'homme. La femme sera toujours la femme. Vous ne serez jamais les mêmes personnes. Vous êtes là, hein? Parce que Dieu célèbre cette différence. Le mariage, le pouvoir de l'amour, c'est d'accueillir la différence. Mais une différence de la convergence. Abraham avait ce problème au moment de choisir pour Isaac. Quelle personne choisit? Donc, je ne peux pas me déplacer. Il va déplacer son homme de confiance pour être un intermédiaire. Va choisir. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de dire, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils? Parce que pour que la femme s'intéresse, il faudrait au moins que la femme voie. Mais je vis encore dans le livre de Genèse, chair de ma chair, os de mes os. Adam a choisi non seulement ce qu'il voit, mais à travers l'os de mes os, est-ce qu'au réseau, il choisit aussi ce qu'il ne voit pas. Malheureusement, lorsque quelqu'un cherche aujourd'hui, la vue est l'élément le plus crucial qui soit. Badou, prenons mon et puis. Le lendemain du mariage, on enlève dans la cabane et vous faites oh. Je ne te dis pas de faire cette erreur. Ah non, il faut que tu sois attiré par la personne. Si quelqu'un ne t'attire pas, je vais vous dire quelque chose, ou porter mon cap voler résidence. Si quelqu'un ne t'attire pas, laisse cette personne tranquille. Parce que, écoutez, j'étais plus jeune et puis, puisque j'étais le seul à ne pas sortir avec quelqu'un, parce que moi j'étais préoccupé par mes études, chaque semaine à l'église, mon rêve qui fait pour moi. Nous avons des problèmes hein, dans nos églises. Chaque semaine. Mais bon, à un moment donné, le rêve me dépassait parce que c'était une personne qui priait beaucoup. Là, vous dire, même les gens qui prient beaucoup, il y a des rêves qui font votre lit plein. Parce que tu ne vas pas te marier avec une femme au nom de Jésus seulement. La demoiselle a dit à quelqu'un à l'église, au leadership de l'église,
Dieu lui a dit que on me donnait un petit nom, frère Junior. C'est avec frère Junior, il va le marier. La première chose qui m'est arrivée, cette personne parle tellement avec des précisions parce que j'ai vu ce qu'elle fait, ça accomplit toujours. Ce qu'elle dit. Mon premier réflexe, c'est que j'ai un peu tremblé. Mon deuxième réflexe, c'est pourquoi tu as fait ça assez, hein? M'paremel. Comment vous m'avez dit, Mamel, là? Imaginez-vous dans un système d'église où c'est par rêve que nous fiançons les gens, c'est par rêve que nous marions les gens. Il se passe quelque chose dans beaucoup d'églises, chers amis, beaucoup de pasteurs, ils avaient rêvé quand ça n'était pas bon. Je dis, il y a un côté, madame, il y a l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est un rêve qui les a amenés là. Je vais vous dire quelque chose, rêver de quelqu'un ne suffit pas. Est-ce que cette personne, tu peux dire comme Adam, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Et puis, il y a un groupe de l'église qui s'est activé pour me dire, « Ah, le Seigneur nous a dit que... » Je dis, « Bon Dieu, bon, qu'on dit, ma hein, quittez ma réponse. » À un moment donné, si tu es célibataire, tu écoutes des gens d'église, ils peuvent te piéger. Forget my. Est-ce que cette personne peut vivre avec toi? Est-ce que cette personne t'attire? Ce que veut Abraham, c'est quelque chose de durable pour son fils. Et si c'est quelque chose de durable, ça doit être des gens qui correspondent à leurs valeurs, puisque nous ne choisissons pas pour un jour, deux jours. Aujourd'hui, les mariages durent, la durée des fiançailles. Faisons attention, puisque nous devons choisir quelque chose pour la vie. Parce que c'est devant Dieu que nous formons le projet. Donc, il a lié le serviteur par un serment. Il a donné des précisions et le serviteur va même demander des signes à Dieu dans le cadre de sa démarche. Autant dire que des fois, il faut se mettre sur ses genoux pour dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire. Parce que le mariage est trop important pour que nous ne prions pas pour savoir où est-ce que nous nous emmenons. Je vous le répète, si c'est parce que ton cœur bat la chamade, ça ne suffit pas pour faire un mariage. D'ailleurs, dites-moi que c'est faux. Deux personnes peuvent s'aimer et ne pas pouvoir vivre ensemble. Amen. Quelqu'un t'aime beaucoup et cette personne est mal élevée. Ton cœur continue de battre la chamade, mais il y a une seule parole que cette personne te dit et puis qu'on se fasse pour côté. La convergence des valeurs. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi? Vous devez savoir comme personne ce qui est irréductible, ce que tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas accepter pour n'importe qui. Et lorsque tu sauras qui tu es, tu peux choisir quelqu'un. Il y a des gens qui ne se connaissent même pas. Ou ouais, demoiselle la font mouvement à cheville. Mais monsieur a passé maintenant tête lui. Je ne sais pas, monsieur a d'accord tête moi encore. Alléluia. C'est-à-dire sans cheveux. Je vais vous dire quelque chose. Faites attention. Un mauvais mariage détruit. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que souvent tout le monde autour de toi sait que ça ne va pas marcher, sauf toi. Parce que la conscience humaine fonctionne comment? Il est plus facile pour vous de savoir que quelqu'un est en danger que de savoir que vous-même vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le chapitre de l'amour qui active ta conscience, tu n'es plus conscient de ce qui est extérieur à toi. Ou seulement avoir aimé. Mais attention, chers amis. Attention. Alors, Abraham va engager quelqu'un parce que Abraham a des valeurs. C'est quoi vos valeurs? Il y a des gens qui se pensent prêts pour le mariage, mais qui n'ont aucune valeur. Qui ne connaissent pas leurs valeurs. À un moment donné, tu es réduit à tes valeurs parce que quand ce ne sont pas tes valeurs qui sont respectées, tu ne vas pas pouvoir continuer à aimer.
engagement. Alléluia. L'amour de la parole, ce n'est pas juste une émotion, car les émotions sont éphémères. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu l'aimes jusqu'à l'os. C'est-à-dire, à un moment donné, cette personne était belle, cette personne était magnifique, élégante. À un moment donné, la beauté va disparaître parce que le visage de la personne sera ridé quand vous rentrez sous lui. Mon grand monde rentre sur moi, mais amen. La rentre sur moi, tu vois. Moi, petit, moi, j'ai demandé, pourquoi ça va blanche comme ça? Je regarde, monsieur. Je viens, mon gars. Je viens. Papa, pourquoi tu n'as pas de cheveux? Je l'avais, mon fils. Grand monde dans ma reine. C'est une question de temps, chers amis. Tout va changer. Donc, si quelqu'un t'aime juste parce que tu es une belle personne, etc., et c'est seulement la beauté qui compte, attention. Et quand cette beauté ne sera plus là, est-ce que vous voulez? Sous fond accident, les valeurs, est-ce que vous ne savez qu'on peut côté? Parce que tu te vois aujourd'hui avec certaines capacités, mais dans tes incapacités, est-ce que cette personne pourra t'aimer? Visitais quelqu'un de cette église et puis je regardais comment la personne prenait soin de son mari qui n'était plus capable. Tu vois tout l'amour que cette personne met. Mais il y a des malades ou bien, ou mourir, oui. Vite. Vite. Parce que cette personne n'est pas soucieuse de ton avenir. Lorsque tu choisis, choisis pour l'avenir. Il n'est peut-être pas, cette personne n'est peut-être pas la plus belle. La plus magnifique. Mais cette personne peut se tenir avec toi quand il y a un danger. Est-ce que vous êtes là? Cette personne ne va pas te laisser tomber. Cette personne ne va pas te trahir. Elle n'est peut-être pas la meilleure personne, la plus magnifique qui soit. Elle n'est peut-être pas la plus belle qui soit. Mais au plan des valeurs, vous êtes au diapason. Vous pouvez élever, éduquer quelqu'un ensemble, construire un avenir ensemble. À ce moment, campez avec elle. Et si vous parlez, mettez batterie. Parce que la vie est courte. Quand ce n'est pas la personne avec qui tu peux vivre que tu es engagé, tu vas voir que l'enfer est long. Comment t'as fait rentrer dans le calme, mes filles? Moi-même, j'aime bien des faux. J'aime bien des faux. Je n'ai pas besoin de des faux. Je t'ai pris des faux de tous côtés. Tout le bagaille pas bon. Je n'ai pas plein, pas plein, pas plein, non? L'acheter mauvais marchandises. Il y a des filles qui prennent de mauvais marchandises. Parce que c'était le visage qui compte. Mais c'est une époque où c'est le visage. Le visage comptait, mais le visage venait après. La personne te parle. Mais est-ce que cette personne a des valeurs? Et c'est ce que j'aime avec l'évangile. Lorsque nous aimons quelqu'un, ce n'est pas sexe ou alfarelle, mais c'est pas l'eau, pas le balarel. Amen, les jeunes. Amen. Parce que quand tu parles avec cette personne, tu seras confronté avec ses valeurs. Mais si c'est couche ou elle couche avec elle, si le couche est bien, on entre aller. Si son déjouelier ou entravé, parce que la fille de travaux, elle rentre dans le mariage avec elle, et vous dites, mais ça me t'a fait là. C'est alors que tu comprendras. Le sexe ne suffit pas. Parce que nous ne nous marions pas pour le sexe. Même s'il y a du sexe dans le mariage. Ce n'est pas pour cela. Les valeurs doivent être rencontrées. Et dans Proverbe 5, l'auteur est en train de mettre les bases de bon choix en nous disant, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Sachant qu'à l'époque, chacun avait plus ou moins un puits dans sa maison. On qui sort en dehors, comme ça m'a dit. Bois les eaux de ta citerne. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup mieux lorsque tu as affaire avec des gens que tu connais. Et il y a là pas comme monde. Mais mène enquête. Mène enquête. Je vais vous dire quelque chose. L'expérience m'a appris
Je vous le dis d'expérience. Problème moi à l'église, pas un nèg qui mal habillé. Problème c'est toujours nèg qui gagne veste même j'avais. Cravate même j'avais. Et puis qui vini, c'est juste son fil vinde. Mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Tenez-vous bien. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que la personne est bien vêtue. Cherche, enquête sur cette personne. Pendant que quoi, battre, on va t'arrêter. Tu n'es pas un robot. Eh bien, on dit quoi, battre. On va t'arrêter, non? Mais mène ton enquête pour savoir avec qui tu as affaire. Cherche des recommandations. Regarde comment sa famille se comporte. Et si ce n'est pas famille, regardez pour elle, s'il est différent de famille. Car il y a des gens qui ont une mauvaise famille, mais qui sont bons. Nous comme ça, hein? Regardez comment lier la famille. La personne différente, les jeunes de la famille vont dire, ah ben, cette personne est différente. Oui, j'ai vu des gens qui sont différents de leur famille. Donc, bois les eaux de ta citerne. Tes souffles doivent-ils se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Il y a des gens que tu choisis le jour où ça va mal. Je te donne la garantie, tout le pays le saura. D'ailleurs, même sous carbone, non, cabacadome. Pendant l'époque de la l'affaire que Trudeau donnait là, comment ça s'appelait? Les 2000 dollars, oui. CPU. PCU. Alléluia. Puisque les perspectives d'embauche étaient comme réduites, vous n'allez pas me croire. Je connais des collègues de la ville, je dis bien des collègues. Si vous comprenez le français, vous comprenez, moi je préfère dire collègues que l'autre là. Parce que ça me fait mal. Eh bien, ils ne pouvaient pas dormir sur leur lit, c'est sur le divan qu'ils sont allés dormir parce qu'ils n'ont rien pour apporter à la maison. Ils ont perdu le job. Quand ils ont choisi un monde qui a retiré sous cabane, parce qu'ils ont perdu un job. Faites très attention. Choisis sur le plan des valeurs. Amen. Est-ce que cette personne, si baga la marée pour moi, la campagne avec? Ou bien la mettez dehors, fait toute famille me connaît. Si c'est Zaboka qui a mangé avec lui, mangez Zaboka. Mais on bénit la donne. Parce que cette personne peut rester avec toi. Et j'en profite pour vous dire, messieurs, valorisez vos femmes. Femmes, valorisez vos maris qui ont lutté avec vous, qui ont été avec vous dans les temps difficiles. Maintenant que tu as des possibilités, des moyens de voler de vos propres ailes, ce n'est pas le moment de les humilier. Amen. Bon Dieu, calo, oui. Bon Dieu, calo. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Apprends à l'honorer. Elle a ses défauts. Moun qui s'en défaut lever mais on va vous amen. Ah, nous finissons habitués avec. Elle a ses défauts. Nous ne choisissons pas quelqu'un sans défaut. Si tu penses avoir un ange avec toi, elle m'en fout. Attendez, ça me dit où? Le jour où on te demande, mais c'est quoi les défauts de la personne? Ou pas qu'à dire ou fou. Et dans le mariage, tu vas vivre avec ses défauts. Le mariage ne veut jamais dire que quelqu'un est exempt de défauts. Il y a des personnes qui ont le mauvais caractère. Il y a des personnes qui ont toujours de l'attitude. Il y a des gens qui sont même méchants. Mais attention. Il y a cette fâcheuse habitude. Nous commençons avec la personne. Et à un moment donné, cette personne ne nous ressemble plus. Parce que
la vie a fait trop de choses pour nous. C'est les salons t'a changé. Hein? On veut être à la mode. Ça ne marche pas. Et puis quand ça arrive, mon ami les lotta tirent mon. Il y a des choses qui viennent dans mes oreilles. Mais monsieur, Dieu frappera où dans cette génération. C'est normal pour le grand monde, moi, je fais le grand monde dans même. Il a fait manger pour matin, midi, soir. Hein? Levez-ti, mon pour. Comment vous avez le grand? À un moment donné, pour nos consciences, quand ce n'est pas les valeurs qui nous préoccupent, c'est encore ce que nous voyons. Eh bien, qui s'accrivait, nous tomber humilier monde. Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'humiliation d'autres personnes, qui détruisent la personne sur place et qui sont capables de prier, qui sont capables de venir adorer, qui sont capables de se montrer les meilleurs chrétiens qui soient. Moi, je vous dis, ou pas qu'on convertit. Demande à Dieu de raviver ta flamme. Et pas nous demander, bon Dieu, profitez-en. Gen hôtel, je parlais avec ministre Smith et ministesse. Quand on va parler des affaires de couple la semaine prochaine après le service, nous voulons construire quelque chose ensemble. Parce que trop de problèmes dans les mariages. Trop de problèmes dans les mariages. Nous n'avons pas qu'un problème, mais nous prier. Gen des bagages, ce n'est pas la prière qui a résolu seulement. Hein? Faut nous chiter ensemble. Faut nous construire un bagage ensemble. Alors, nous aborderons plus tard encore ce texte. Mais j'insiste sur le fait que si c'est par la vue que vous aimez, vous avez mal choisi. Si c'est par la vue que vous choisissez d'être avec quelqu'un, vous allez faire des erreurs. Aimez quelqu'un pour ce qu'elle est et demandez à Dieu de vous accompagner dans le processus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de fermer les yeux. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles que tu nous as partagées par le biais de ton serviteur. L'amour avec un grand A, c'est toi qui en es l'auteur. Et je désire te prier maintenant pour deux catégories de personnes. Je te prie pour les gens qui sont mariés présentement. Je te prie pour les couples qui sont dans la salle. Je te prie pour les couples qui nous écoutent par le biais des réseaux. Il y a des couples qui vont bien par ta grâce. Des couples où l'amour règne. Des couples où il y a la joie et le bonheur dans la maison. Des couples où rentrer à la maison se fait avec un sourire aux lèvres. Je te dis merci pour cela. Merci pour ta présence, merci pour la joie et la paix que toi seul peux donner. Je sais aussi qu'il y a des couples qui souffrent. Je sais qu'il y a des couples où il y a la déception, il y a la tristesse, il y a l'amertume. Et puisque tu es le Dieu qui n'a pas changé, puisque tu es le Dieu qui restaure, qui change encore, puisque tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, je te prie d'intervenir. Il y en a qui auront peut-être besoin de voir un conseiller. Je sais que dans notre communauté, on pense parfois que la prière réglait tout bagaille. Et c'est vrai. Mais tu as aussi donné des conseillers. Tu as aussi donné des thérapeutes. Tu as aussi donné des experts avec lesquels nous pouvons nous asseoir pour parler et discuter. S'il y a des foyers qui ont besoin de consultation, Père, je te demande de briser les cœurs de pierre et de donner un cœur de chair. Qu'il n'y ait pas d'orgueil, que monsieur n'a pas dit moi-même pas pral chita devant moun pour me parler, que la femme ne dise pas m'pas pral joindre au moun pour m'expliquer situation, hein. Mais que les cœurs soient transformés pour que les gens voient la nécessité peut-être
de s'asseoir avec une tierce personne pour discuter. Parce que ta volonté pour les foyers, ce n'est pas le divorce, mais c'est l'unité jusqu'à ce que tu reviennes chercher ces couples. Père, je te prie aussi pour les célibataires de notre église. Il y a des hommes et des femmes dans notre assemblée qui sont prêts à se marier. Il y en a qui sont patients et d'autres qui sont impatients. Ce que je te demande au Père, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, patience ou impatience, je te prie de leur accorder le discernement. Parce qu'effectivement, la première plus grande décision qu'un être humain puisse prendre, c'est de t'accepter comme sauveur personnel. La conversion est la première grande décision. Mais la deuxième, c'est le mariage. Si je me trompe de carrière, c'est pas la fin du monde. Si j'étudie en soins infirmiers pour devenir ensuite architecte, recommencer mes études, c'est pas la fin du monde. Mais si j'épouse la mauvaise personne, my God, je peux pleurer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et recommencer à pleurer le lundi. Il y a des gens qui pleurent présentement à cause d'un mauvais choix. Je te demande, Père, instruction et discernement pour les célibataires de notre assemblée. Il y en a qui sont dans la vingtaine, il y en a qui sont dans la trentaine, il y en a qui sont dans la quarantaine peut-être, il y en a qui sont peut-être plus vieux même, qui sentent qu'ils sont prêts à faire la route avec quelqu'un en attendant ton retour. Père, je prie pour le discernement, que personne ne soit aveugle, parce qu'être mal marié, ça fait mal. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, Père, de nos célibataires, ceux qui nous écoutent à travers les ondes. Et si quelqu'un écoute ce message maintenant et qu'elle ne fait pas partie de notre assemblée, accorde-lui, elle aussi, le discernement pour que le choix ne soit pas fait que sur l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Papa, nous pas appelés pour messier yo marié avec belle fleur sans odeur. Et nous pas appelés pour mesdames yo mariées avec des garçons qui paraissent comme garçons, mais pour de vrai qui pas qu'à gérer responsabilité garçon. Dieu fidèle, le discernement est prioritaire afin de voir ta présence dans la vie de la personne. Le discernement est nécessaire pour voir comment la personne traite sa mère, comment la personne traite son père, parce qu'en général, une personne qui est irrespectueuse envers ses parents sera sûrement irrespectueuse envers son futur conjoint. Come on now. Père, le discernement, je prie maintenant pour le discernement. Pour ceux qui sont prêts à se marier, discernement, discernement, discernement. Que les gens qui sont prêts à se marier aient des valeurs basées sur toi et que leurs yeux soient ouverts. Ne pas faire des choix basés sur la beauté uniquement. Pas les Français, pas payer bill. Pas les belles Français, pas faire au copé, le ou pas kagen timoun. Pas les belles Français, ne va pas faire de toi un homme qui va rester aux côtés de ta femme atteinte d'une maladie. Pas les belles Français, c'est pas ce qui va t'aider à passer au travers des épreuves, de la perte d'emploi, d'un accident de voiture. My God. Alors Père, encore une fois, toi qui donnes toutes choses, toi qui donnes toute grâce excellente, je te prie avec des entrailles de compassion comme maman maintenant. Je te demande de toucher ceux qui attendent et qui soupirent après toi. Je te demande de les fortifier. Les femmes célibataires, les hommes célibataires. Je sais qu'il y a des femmes célibataires qui se disent, je suis dans ma trentaine, j'aimerais avoir des enfants. Où se trouve mon mari? Père, discernement et patience au nom de Jésus. Ikalamate. Qu'elles sachent que tu fais toutes bonnes choses en ton temps.
Et mieux vaut se marier à 40 ans avec la bonne personne que de se marier à 25 ans et d'être divorcé 2 ans plus tard. Patience et discernement, Père, je te demande, je répète, patience et discernement pour les célibataires de l'Église de Dieu, de la prophétie de Montréal Nord-Ouest. Qu'ils continuent de te faire confiance, qu'ils continuent de croire qu'en ton temps, au temps marqué, tu leur donneras la personne que tu leur as destinée. Qu'en attendant que ces personnes-là, que ces individus, que ces chrétiens et chrétiennes continuent de croître dans ta grâce et dans ta connaissance, que ces gens continuent de se perfectionner. S'il y en a qui aiment étudier, qu'ils aillent chercher d'autres diplômes. Que ces personnes continuent d'exercer les dons et les talents que tu as déposés en eux, qu'ils soient utiles à l'église, en dehors de l'église, qu'ils soient utiles dans leur champ de travail, que leur vie soit un parfum de bonne odeur qui amène des gens à se tourner vers toi, Père. Et pendant ce temps, pendant qu'ils sont utiles, continue de leur accorder la patience et le discernement. Pour ce n'est pas Kebat seulement qui dirigeait Choyo. Que ce ne soit pas seulement l'apparence physique qui fait que leur cœur s'arrête sur quelqu'un. Que ce ne soit pas seulement l'éloquence qui fait qu'il s'arrête sur quelqu'un. Que ce ne soit pas seulement la vestimentation, les beaux cheveux, les ongles bien faits. Parce que c'est bien. L'apparence physique, c'est bien. Mais il y a plus que ça pour rester marié 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça prend des valeurs convergentes. Je te remercie d'avance, Père. Je te remercie pour ceux qui ont déjà le discernement. Parce qu'il y en a, sinon, ils t'ont marié déjà. C'est pas moun qui m'a vu pas laver, yo. C'est pas fille qui m'a vu sous nos pieds, yo. Mais il y en a qui ont dit, je n'ai pas le feu vert de Dieu, je ne vois pas les valeurs convergentes, je reste. Eh bien, Père, augmentez discernement pendant que l'âge l'a augmenté. Je compte sur toi et je sais que lorsque nous prions selon ta volonté, tu nous exauces. Alors je te dis merci, Père. Merci pour les foyers qui vont bien, pour les couples qui s'entendent, les foyers où il y a l'harmonie. Je te dis merci pour les foyers où les eaux sont troubles. Je te dis merci parce que tu vas agir, tu vas ouvrir des portes. Tu vas susciter la conversation. Tu vas permettre qu'une tierce personne, un expert, soit un pasteur, ou bien un conseiller, ou bien un thérapeute, tu vas permettre que les cœurs soient ouverts à rentrer une tierce personne pour discuter, pour qu'au lieu de marcher vers le divorce, qu'ils marchent vers l'unité. Et pour terminer, je te remercie pour le discernement que tu as déjà donné à plusieurs de nos célibataires, et pour le discernement que tu es en train de déposer. Alléluia. Maintenant, 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 maintenant. Discernement, 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 discernement. Pour nos célibataires qui sont prêts à se marier. Discernement et patience. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Et pour ceux qui attendent, en attendant le grand amour avec un A, physique, permet que les célibataires et les chrétiens continuent de se baigner dans l'amour que tu nous as démontré en mourant sur la croix pour nous. Parce que le premier grand amour, c'est pas celui de maman, papa. Le premier grand amour avec un A, le premier grand amour incommensurable, le premier grand amour inconditionnel, incomparable, c'est toi, Père. Que cet amour jaillisse en permanence dans notre cœur et que nos yeux restent fixés sur cet amour que tu nous as donné en mourant sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu donnas ta vie. Encore une fois, alléluia, alléluia, pour la victoire, pour la victoire.
Dieu, nous allons bientôt terminer. On va écouter tranquillement les annonces, tout en gardant en tête ce que le Seigneur nous a partagé. Il désire que les familles soient unies, il désire que les couples soient unis, il désire que nos cœurs soient remplis d'amour. Et pour ceux qui se préparent pour le mariage, le Seigneur désire que notre choix soit fait avec discernement, afin que cette union soit le reflet de sa gloire. Amen. On écoute les annonces. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Dans un premier temps, Telegram vous permettra d'avoir accès au contenu vidéo ayant été diffusé sur Facebook ou à travers YouTube. Connectez-vous, recherchez EVPMMO et abonnez-vous à la liste de diffusion de l'église. Ensuite, GoToMeeting demeure une application que nous utilisons pour les activités régulières de la semaine, qu'elles soient filmées ou non. Une fois sur l'application, connectez-vous à travers le code de réunion 521-919-62. Le numéro de téléphone sans frais demeure toujours en activité, donc le 1-888-299-1889 et vous permettra d'avoir accès à toutes les activités. Le code d'accès 521-919-621. Soirée d'intercession avec la cellule de prière dès 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers vos tout-meetings. Le mardi, service avec les dames. Connectez-vous dès 19h à travers le numéro de téléphone ou l'application GoToMeeting. Le mercredi, le pasteur nous attend pour une étude biblique dès 19h30 à travers la page YouTube ou Facebook de l'église, de même que le numéro de téléphone, GoToMeeting et plus tard sur Telegram. Le vendredi, les jeunes vous attendent pour un vendredi de transformation. Connectez-vous à la page Instagram ou Facebook de la jeunesse pour demeurer au courant de toutes les activités prévues pour vous. Également le vendredi soir, il y aura veille de nuit à 20h. Connectez-vous par téléphone ou à travers GoToMeeting pour participer. Du lundi au vendredi, la ligne de prière demeure active de 10h à 11h. Également, ce sera suivi par la prière du midi dès 11h45. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application GoToMeeting. Le samedi, il y a matinée de jeûne avec l'église de 9h à midi. Connectez-vous par téléphone ou l'application GoToMeeting pour que nous puissions chercher le Seigneur ensemble. Les dimanches sont maintenant en présentiel et en ligne. Attention, l'école du dimanche débute à 9h et demeure en ligne seulement. En ce qui a trait au service du matin, il débute à 10h et vous avez la possibilité de vous présenter à l'église. Pour ce faire, nous vous demandons de vous enregistrer d'avance sur Eventbrite de manière à ce que nous puissions contrôler le nombre de personnes qui seront présentes. De même, si vous prévoyez venir à l'église, prendre note qu'il est obligatoire d'avoir un masque de procédure, donc les couvre-visages en tissu ne sont plus acceptés. Aidez-nous à vous protéger. Dîmes et offrandes. Il y a deux manières de contribuer pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez le faire par virement Interact au secrétariat de l'Église en utilisant le mot de passe merci ou encore par paiement direct en contactant le frère Ronald Demesten, Franck Jean-Baptiste ou Edris Jean-Louis au numéro de téléphone affiché à l'écran. Veuillez en tout temps préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Et pour terminer, nous vous rappelons que vous avez accès à toutes les activités par téléphone au 1-888-299-1889. Sinon, l'application GoToMeeting et les applications Telegram sont également là pour vous permettre de vous connecter avec votre église locale. Nous vous souhaitons une bonne semaine et continuez d'être bénis dans le Seigneur. Amen. Je demanderai au peuple de Dieu de se lever. Tandis que je prononce les mots de bénédiction. Père, toi qui es l'auteur de toutes bonnes choses, que ton amour soit constamment répandu dans la vie de chaque bien-aimé ici présent dans la salle, chaque bien-aimé qui nous écoute au travers des réseaux sociaux. Que cet amour soit manifesté de manière claire et tangible afin que les foyers, afin que les familles, afin que les couples, afin que les enfants
puisse vivre selon ta sainte ordonnance. Là où il y a peut-être la mésentente, papa, que ta paix, que ta paix, que ta paix et que ton amour dépasse cela. Là où il y a besoin d'intervention, suscite des tierces personnes pour qu'il y ait intervention et qu'il y ait changement, afin que les individus ici présents et ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux puissent être exactement ce que toi tu veux. Que ta lumière brille en nous, afin que ceux qui nous regardent de près et de loin puissent voir en nous des disciples de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit amen. Passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Please give.